va? Ouais, toi, tu t'installes là. C'est le PSG Fan by Ouredou. Ouredou et le PSG ont créé une ligne spéciale. Les supporters vous écrivent directement. On en a choisi quelques-uns. Alors là, Kylian, c'est la petite Ella. Visiblement, elle t'a laissé un message. On va l'écouter. Ah, moi, je veux qu'il vienne à notre maison, Kylian. Parce que je t'aime trop. Ah, c'est mignon. Franchement, elle est tellement mignonne. Elle, on l'appelle carrément. Allez, ça marche. Coucou, Ella. Coucou Ella, ça va? Bien. Très bien, ça me fait plaisir de te voir, j'ai vu ta vidéo, c'est super gentil. Bon, je peux pas venir à ta maison là, mais là regarde, je suis au Parc des Princes, je suis dans le stade. Je lui ai fait la promesse de l'amener au stade. Et si on pouvait te rencontrer pour la photo souvenir pour sa première... Ce serait avec grand plaisir. Je suis sûr que tu vas nous porter chance, on va gagner avec toi, c'est sûr. But de Kylian! Kylian, je te remercie pour cet appel. C'est merci. Super gentil de nous accorder du temps. C'est un rêve merci. Qui devient réalité, notamment pour Ella. C'est un souvenir qu'elle ne dira pas. Dernière question pour toi. À partir de quand un message vocal devient trop long pour toi? Les vocaux, faut pas que ça dépasse non plus 35-40 secondes. Il y a que ma mère qui m'envoie des vocaux d'une minute trente. Parfois, on reçoit des vocaux longs comme le bras de Victor. Oui. Bah, ma mère, ils sont plus longs que les bras de Wemby, c'est beaucoup. On a essayé de filmer la rencontre, comme ça, Ella, quand tu seras plus grande, tu te souviendras, tu m'oublieras pas. Hein. Bah, merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Au revoir, Ella. Au revoir, Kylian. Au revoir, au revoir. Trop mignon. Merci d'avoir joué le jeu, Kylian. Merci beaucoup. Hassan, qui t'a écrit un petit message. Et donc, je te propose de lui répondre par message. Ok. J'espère que t'es gentil avec Hassan. Hein. Bien sûr. Qu'est-ce que tu lui écris? Bah, tu diras après. Alors, hello Hassan, merci beaucoup pour ton message et ton soutien. On pense fort à toi. C'est beau, Presco. Bise, allez Paris. Hey, super, on lui envoie. Tu lui fais un petit selfie aussi? On va montrer le parc quand même. Non, je suis pas à mon avantage, mais c'est pas grave. C'est très bien, Presco. Je rigole. Alors. Bonjour Lucas, j'aimerais savoir quel effet ça t'a fait de jouer contre ton frère. Je crois que c'était la première fois. Allez Paris, cette année sera la bonne. Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, ben, c'était la première fois. La première fois que j'ai joué contre mon frère. Ça a été un moment unique, surtout aussi pour ma famille, pour ma mère, pour tous mes proches. Et aussi très très content avec cette victoire au bout. Et j'espère te voir bientôt ici au Parc des Princes. À bientôt, ciao ciao. Premier message, qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce que j'ai ressenti en signant à Paris? Alors qu'est-ce que tu as ressenti Nordi? J'ai ressenti en signant au Paris Saint-Germain, beaucoup de fierté déjà. Que voilà, le travail paye en signant au Paris Saint-Germain qui est l'un des meilleurs clubs du monde. Et c'est aussi une fierté puisque je viens de la région parisienne. Et... Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Bon courage pour taper tout ça. Oh non, ça va. C'est trop, non, je peux pas dire. Tu vois, je te l'avais dit. Beaucoup d'émotions et j'espère faire de très bonnes choses. De très, très belles choses. Avec le Paris Saint-Germain. Bravo, tu peux envoyer. Top. Qu'est-ce qu'il nous dit, Thomas? Allez, Paris, continuez de nous donner du bonheur. Salut, Thomas. Merci pour le soutien. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'avoir des fans, des supporters comme ça. J'attends de te voir ici au parc aussi pour te voir soutenir l'équipe avec beaucoup de force. Merci. Merci Dany en tout cas d'avoir joué le jeu. Et merci à tous pour vos messages sur le PSG Fan. Bye Ouredou. Bye bye.